Docteur, pourquoi mes bleus changent de couleur? Clémence nous demande pourquoi les bleus changent de couleur. D'ailleurs, on les appelle bleus parce qu'ils sont bleus au départ. Ils sont même rouge-bleu. Pourquoi? Parce que quand on se cogne, alors soit il y a une plaie et ça saigne et le sang il est rouge, mais quand la peau, c'est juste dessous que c'est abîmé, le sang en fait, il ne sort pas de la peau, il reste dessous, il reste sous la peau et il a cette couleur un peu rouge-bleu. Mais ça, c'est au début. Parce qu'après, le sang, eh bien, comme il n'est plus dans le vaisseau, ça va cicatriser, ça va se réparer aussi et il va falloir l'éliminer. Il va falloir qu'il y ait comme des petites pelleteuses qui vont chercher le bleu, le sang et qui l'amènent dans une autre partie du corps, dans le foie. Et puis après, on fait pipi pour éliminer tout ça. Et en fait, donc le bleu qui est sous la peau, il va se dégrader. C'est-à-dire que les petites pelleteuses vont casser un petit peu les molécules de sang et ça va fabriquer de la biliverdine. Ah, verdine, il va devenir vert. Donc le bleu, il devient vert. Et puis après, il y a encore d'autres petites pelleteuses ou d'autres petites usines sous la peau qui vont le transformer en bilirubine. La bilirubine, c'est jaune et ça va être amené par le sang au niveau du foie. Et après, du foie, ça va être éliminé dans l'organisme. Et c'est comme ça que finalement, on va se réparer. Et voilà pourquoi ça passe un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme on dit. C'est pas vraiment toutes les couleurs, mais ça passe du bleu au vert, au jaune, et puis après, ça va reprendre une couleur normale.